On tourne un film dans lequel on veut mélanger des acteurs réels dans des images de synthèse. Aujourd'hui, on commence par la prise de vue réelle. Ici, on tourne sur fond vert. Et c'est seulement après qu'on fabrique les images de synthèse en post-production et qu'on opère le mélange. Alors, on est en train d'inventer un procédé un peu nouveau qu'on appelle Previs on Set, pour prévisualisation sur le plateau, qui consiste à donner à voir en direct et en temps réel sur le tournage une préfiguration de ce que sera l'image finale. Au début, je commençais à cadrer des personnages en fonction des personnages, mais je ne prenais pas compte du décor, puisqu'il y avait ce fond vert. Et dès qu'on avait le décor virtuel, la composition du cadre change. Dans les studios de l'école Louis Lumière, on expérimente un certain nombre d'outils nécessaire à la prévisualisation on-set. Le premier de ces outils, qui est destiné à rendre cohérent le monde réel et le monde virtuel, et à les caler l'un par rapport à l'autre, c'est le tracking caméra. Si la caméra réelle bouge, il nous faut pouvoir faire bouger la caméra virtuelle de la même façon exactement. Il nous faut donc un dispositif qui nous permette de connaître à chaque instant, à chaque image, la position de la caméra dans l'espace. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. Une première méthode repose sur l'utilisation d'une machinerie spécifique. Elle consiste à poser sur chacune des articulations de la grue des capteurs de position. Une deuxième méthode pour le tracking caméra repose sur l'analyse d'image. Un logiciel est capable de repérer dans l'image un grand nombre de points caractéristiques. Alors, pour ne pas être limité par le champ de la caméra principale, on ajoute à la caméra principale une ou plusieurs caméras additionnelles. Il existe d'autres méthodes, d'autres pistes pour le tracking caméra. Par exemple, des méthodes issues des technologies dites de motion capture. Attention, action ! Pour le cadreur, la Previs on-set permet de se déplacer totalement librement dans un univers hybride, partiellement réel, partiellement virtuel. C'est très facile à la caméra, un cadreur avec un peu de métier suit, peut faire des choses étonnantes, et ça passe extraordinairement bien, oui. Ça c'est très bluffant. Un deuxième outil dont on a besoin pour la Previs on-set, c'est le moteur de rendu. Un logiciel dans lequel on aura rentré préalablement tous les éléments nécessaires à la synthèse et qui sera capable de recalculer à chaque image en temps réel, en direct sur le plateau, les images de synthèse en fonction de la position de la caméra. Pour le directeur de la photo, la Previs on-set lui permet de construire une lumière sur un décor hybride, partiellement virtuel, partiellement réel. Un troisième outil nécessaire à la prévisualisation on-set, c'est le compositing. Le compositing, traditionnellement, se fait par chroma key. En l'occurrence, ici, extraction du fond vert. Avec le chroma key en direct sur le plateau, on est limité à une incrustation à deux éléments, le réel devant, la synthèse derrière. Or, on peut avoir besoin d'incruster un élément réel dans un univers de synthèse complexe, avec des éléments derrière, des éléments devant et des éléments intermédiaires. Un nouvel outil est en train de se développer qui permet de le faire et qu'on appelle la carte de profondeur. Pour ce plan du marin qui passe à l'extérieur du bar, aujourd'hui, il faut placer des panneaux verts bien calés qui cachent le marin quand il est dissimulé par les murs. Demain, on pourra tourner sans ces panneaux. C'est la carte de profondeur qui se chargera du travail de cache pour dissimuler le marin. À moyen ou à long terme, on pourra peut-être se passer totalement du fond vert. Alors ici, ce qu'on présente, c'est un dispositif qui capte la profondeur automatiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, je peux passer derrière le bar. Et voilà, donc là, je suis tronqué au niveau du buste. Je suis derrière le décor virtuel. Voilà la table. Donc je me dirige vers la table. Pour le metteur en scène, la Previs on-set permettra de s'immerger dans un décor virtuel, d'y chercher des places caméra, d'y chercher des mouvements de caméra, d'y improviser avec les comédiens la chorégraphie de la scène comme il le ferait dans un décor réel.
avance. Si je me mets par exemple derrière le tigre, par exemple ici, voilà, et que je le pousse, le tigre s'en va. Et c'est moi qui ai décidé de l'action. Pour les comédiens, d'autres chercheurs travaillent au développement de technologies qui permettront l'interactivité entre le réel et le virtuel. Au laboratoire du LIRIS à Lyon, ils travaillent sur la détection de mouvements sans marqueur. À l'INSA de Rennes, on immerge les comédiens dans des mondes virtuels interactifs pour leur permettre de se familiariser avec le décor du film et les événements qui doivent s'y produire. L'objectif, c'est de remettre de la souplesse, de remettre de la liberté pour le metteur en scène, pour le cadreur, pour le chef opérateur, pour les comédiens. Bref, de leur rendre le contrôle du plateau sur les films à effets spéciaux.